quand je mets ça, la télé ne marche pas, donc je suis obligé de brancher par là et mettre des rallonges. C'est ancien, c'est ancien. C'est des trucs qui sont faits il y a 40 ans. Non, 1960. Ça n'a pas été changé. Donc c'est pour vous dire que normalement, depuis que je suis dans cette maison, il y a plus de 30 ans, je vis avec une maison complètement délabrée, où normalement les chauffages ne fonctionnent pas, les murs sont fissurés et tout. Et j'essaie de demander qu'on vienne intervenir. On me dit, on me laisse des promesses et puis personne ne vient. Donc là, franchement, avec cet hiver, donc les chauffages qui sont, par exemple celui-ci qui est présenté, ne fonctionnent pas du tout. Donc s'il vous plaît, je vous demande d'intervenir rapidement parce que je suis au bout de mes forces. C'était à l'époque une ancienne cité de flics. Et les flics qui sont partis ont commencé à fourrer des gens dedans. À ce jour, il n'y a aucun suivi. Aucun. Ça fait plus de 15 ans que je souffre pour ce problème de chauffage. Et que je le dis, je demande, tout le monde, même le directeur de l'OGIREM est venu constater mes problèmes. Mais personne n'est revenu pour l'arranger. Et ça c'est duré. Sincèrement, il faut que ça s'arrête. Tous mes loyers sont corrects. J'ai les quittances. Et vous payez les charges? Tout. Je paye tout. Je paye les charges, je paye tout ce qu'il y a à payer. J'ai pas... Et presque chaque année, ce sont eux qui m'envoient le reliquat que j'ai plus payé ou... C'est pas de problème. Voilà celui de la chambre. Le chauffage. Et comment vous faisiez quand vous aviez vos petits? Mais je mets le chauffage. Le chauffage électrique? Oui, je suis obligé de mettre le chauffage, sinon comment je fais? C'est avec le chauffage électrique que j'ai essayé de chauffer, même les chambres des enfants et la mienne ici. Parce que pour cabouffler, ouais, si je tire ça, mettez la caméra là, vous allez voir comment quelqu'un dort dans une chambre. Donc là, vous pouvez me dire l'air passe. L'air passe là, vous voyez vous-même. Là. Il y a l'air qui passe, c'est pour ça que c'est humide comme ça. Et quand vous mettez la main sur votre mur, c'est froid. Très froid, très froid. Quand vous mettez la main, vous-même, vous voyez que c'est comme si vous êtes dehors. C'est comme si vous êtes dehors. Hein. J'ai des problèmes de santé énormes, madame. Je venais d'avoir un cancer. Je suis greffé des reins. Je fais la dialyse. J'ai un problème cardiaque. J'ai tous mes documents. Ma femme venait d'avoir un cancer. Ma fille venait d'avoir un cancer. On lui a levé un sein. Et nous dormons, nous vivons dans ces conditions alors qu'on n'a rien fait de mal à la personne. Et nous sommes en France, en plein cœur de Marseille. C'est bizarre. C'est vraiment... Ça m'étonne. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. De voir comment les gens peuvent... Tout ce qu'on nous raconte, machin et tout, tout ce que nous vivons... Regardez l'eau qu'on utilise. Regardez comment on vit. Comme si nous étions des petites bêtes qui sont abandonnées, qui ont un problème peut-être qu'il ne faut pas. Donc il faudrait que ça arrête. Si on peut faire quelque chose... Pour tout le monde, hein, je ne parle pas uniquement de mon cas. Qu'on essaye de voir le cas de tout le monde. Hein, parce que nous sommes tous les enfants de quelqu'un. Donc on essaye de voir le cas de... Moi, c'est mon souhait. Et s'il n'y a pas des personnes comme vous, qui puissiez quand même venir comme ça pour voir un peu la réalité et la vraie vérité des choses, on ne peut pas croire. On ne peut pas croire. On va toujours dire, ouais, on s'occupe des gens, on leur donne ceci, on leur donne cela. On ne donne rien. On ne fait rien. Rien n'est fait. Qu'est-ce que vous avez exercé comme métier, monsieur? Moi, j'ai fait à peu près différentes choses. J'étais footballeur. Et après, j'ai travaillé dans la sécurité. J'ai travaillé à Marseille par Coteau. C'est moi qui vous débarrassais de l'argent dans les horodateurs de toute la ville de Marseille. C'est après, quand j'ai eu ce problème de santé, que j'ai perdu ce travail. Voilà. Donc,
Ça fait depuis que je venais de prendre ma retraite, il y a un an. Ça fait combien de temps que vous habitez ici? J'habite ici depuis 87. Depuis 87 que j'habite ici. Il y a d'autres pièces aussi donc qui sont mal isolées, on peut les voir. Oui, oui. Je refais des papiers. Ça fait pas longtemps que je l'ai refait. Hein? Presque chaque année, il faut refaire le papier pour que les filles. Donc ne là, c'est pas. Des champignons d'humidité qu'on voit. Et bien sûr, bien sûr. Regardez. Là. Regardez. On voit très ça bien. Continue, ça prend tout. Vous voyez là. Dans une maison. Vous allez regarder, montrer la cuisine. Comment? Quand on prépare la bouffe, ce qui tombe dans la bouffe. Et ça, pareil, je vois que vous avez. Vous vous êtes occupé, je vois là de. Mais bien sûr, je le fais, mais presque chaque. Parce que vous êtes une dame. Vous croyez que si vous êtes ici avec votre mari, vous allez vous casser les oreilles tous les jours qui ne s'occupent pas de ceci, tout, machin et tout. C'est ce que je vis. C'est ce que je vis. Ma femme a besoin quand même d'avoir une maison convenable. Dès que vous passez le balai, hein, ça tombe seul. Et comment tu fais? Et donc, votre bailleur social, c'est qui? L'OGIREM. On est en décembre, la première fois, je continue mon calvaire. Je continue.